Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vocabulaire parfumerie. Je vais vous définir deux mots qu'on entend assez souvent, mais pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le sillage et la projection. Quand on parle de projection, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc c'est parti. Alors le premier mot que je vais vous définir, c'est le sillage. Qu'est-ce que c'est le sillage en parfumerie? Car normalement, ce terme sillage, c'est utilisé pour les bateaux. Mais là, en parfumerie, le sillage, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous mettez du parfum et que vous marchez, bah le parfum laisse une traînée invisible derrière vous et on peut vous suivre à la trace grâce à votre sillage. D'ailleurs, je vais vous mettre une image qui illustre le sillage juste maintenant. Et maintenant, on va passer au second mot qui est la projection en parfumerie. C'est quoi? Alors la projection, quand on parle de projection en parfumerie, quand on dit qu'un parfum a une forte projection, c'est-à-dire que quand vous mettez ce parfum-là, et que vous restez immobile, bah une personne peut vous sentir à plusieurs mètres sans que vous vous déplacez, à contrario du sillage. Le sillage, quand on parle de sillage, la personne se déplace, elle laisse la traînée derrière lui. Un parfum, quand il projette, la personne reste immobile, le parfum va projeter, va sentir de loin. Et quand on dit ce parfum a une faible projection, c'est-à-dire qu'on va devoir se rapprocher de la personne pour le sentir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo vocabulaire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris. Et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.